on vient juste, la foire, la Chaubermesse vient d'ouvrir depuis une heure ou une heure et demie, et on attend les premiers clients. Enfin, déjà un peu de monde se promène, mais c'est surtout en soirée, on est vendredi, les gens vont venir en soirée surtout, hein, fréquenter la foire. Bah, il fait pas très beau, hein. Il y a pas beaucoup de monde, mais ils vont venir les gens. Ils adorent la foire ici, donc ils vont venir nous voir, on espère. Bah, un peu la pression pour voir si les personnes de la foire va leur plaire. Et on attend pour boire un petit coup, et voilà quoi. Alors pour ma part, ça se prépare environ une quinzaine de jours avant par les achats de marchandises chez les fournisseurs, tous les achats de l'eau pour distribuer aux clients. Et puis ensuite, le montage se fait à proprement dit en 3 jours, de façon à ce que tout soit absolument prêt pour aujourd'hui quoi. Voilà. Bonne ambiance, c'est sympa, il y a du monde. Puis c'est mon métier hein, d'être foraine, donc voilà. On n'a pas le choix. Celle-là est une des plus grosses de la région et elle est super sympa et bien quoi. Cette foire est très animée, il y a beaucoup de restauration, c'est une foire de nuit où les gens restent tard et il y a une ambiance tout à fait particulière à la Chaubermesse qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres foires en France pour ma part que je fréquente. Voilà. Bah, là c'est une foire européenne, il y a vraiment tout, il y a des Allemands, des Luxembourgeois, des Français, des Belges, on vient de partout, c'est sympa, ça fait une belle foire. En France il n'y a pas les mêmes manèges par exemple. Qu'est-ce qui nous motive? Bah, l'ambiance déjà, et c'est une des meilleures, donc on aime bien être là et c'est bien organisé, tout ça c'est super.